Cette entreprise a été créée en 1958 par Michel Leblanc, qui, connu en général pour l'autre pan de leur famille Leblanc-Lorsenne, donc plutôt les décors de théâtre, et lui s'est dit je vais créer une activité pour que les décors de théâtre, je puisse les utiliser en extérieur. Et donc il est parti tout simplement avec des cadres en bois, et puis des douilles porcelaine, des B22, et ça a été les premiers décors de Noël qui ont été installés dans la ville de Bar-le-Duc en 1958. Donc Leblanc est pionnier et inventeur des illuminations de Noël. Je suis tombé dans le son et la lumière très tôt. Je faisais de la disco mobile, des animations. J'ai été ensuite faire les premières formations dans les années 90 en alternance chez Megertz, bien connu de la profession, d'Éric Mouffer. Et puis j'ai été embauché chez Collins, tout simplement. Collins a été racheté par le groupe Guillard. En 98, de commercial, je suis passé directeur commercial. Et puis derrière, j'ai été paître d'autres chemins avec le parc et jardin pendant 8 mois pour revenir dans ma région natale qui est la Champagne, Châlons-en-Champagne plus précisément. Et puis le métier a dû me manquer, je suis revenu. Je suis retourné dans une situation difficile à l'époque dans laquelle se trouvait Guillard Musique et j'ai été nommé directeur général de l'entreprise qui entre-temps s'appelait CSI, Collins Spectacle Industrie, Commerce Spectacle Industrie dans le passé. J'ai eu la chance de reprendre cette entreprise avec Bernard Cherami en 2003 et j'ai rencontré Thierry Despatures, actionnaire de groupe Leblanc, en 2006. Voilà. On partageait un fournisseur chinois en commun qui était actionnaire de chez eux et ce fournisseur trouvait que nos talents, peut-être associés, pourraient donner quelque chose. Et puis Leblanc est devenu actionnaire de CSI tout simplement. Et puis derrière, j'ai fait de la croissance externe. On a racheté Griven France Alto. En 2011, on avait pensé à fusionner Leblanc et CSI, puisque les CSI ne faisaient que de la lumière. Et puis ça ne s'est pas fait en 2011. Et puis malheureusement, il y a eu une opportunité suite au décès de Pascal Briam, d'SCV Audio. Et le fameux Eric Mouffer m'a dit c'est quand même SCV Audio et CSI ensemble, ça le ferait. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de trouver des produits qui peuvent se marier dans une offre globale, son et lumière. J'ai téléphoné aux actionnaires, Eric Alvernia, Thierry Lamotte, et puis ça a été très vite. En 15 jours, on a racheté l'entreprise. Évidemment, il y avait SCV Audio, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi SCV Hightech. Et ces entreprises ont été fusionnées en une seule et même entité. Tout a été ramené à Villepinte, et il a fallu trouver un nom, parce que on avait un passé glorieux sur CSI, avec Collins. On avait un nom très fort avec SCV Audio, et c'était deux pionniers encore une fois, ce qui rejoint un petit peu la synthèse avec Leblanc, aussi bien dans la lumière, ce qui était Patrice Michaelis, et puis la bande avec Richard et ses acolytes, dont Jean-Luc Mancel et Lassia, qui avaient développé le studio des Chemins Verts. Voilà, une vraie histoire. Et donc, on a cherché un nom. Et puis, on s'est rabattu sur Freevox, parce que c'est un nom qui, pour les noms anglophobes, se présente bien. Qui se porte, il y a deux syllabes, Freevox. Je trouve que ça me va plutôt bien, il y a une certaine liberté de parler et donc de ce qu'est un indépendant. Et notre entreprise, elle a des capitaux qui sont des gens et pas des boîtes financières dernières. En 2015, on a fusionné les entreprises, on en était très content. Il y avait une bonne dynamique. Et puis Thierry Despatures m'a appelé, il m'a nommé président du groupe, donc avec la responsabilité de l'ensemble des sociétés. Et puis maintenant, ça va faire 3 ans et Leblanc a 60 ans et surtout un avenir devant lui. Clairement, à l'international, mais en France, on a aussi repris des parts de marché. On exposera quelques chiffres ce soir, mais la dynamique est bonne. Leblanc a, sur ces 3 dernières années, fait une croissance de 15% de chiffre d'affaires, donc c'est plutôt positif. Et puis l'an dernier, c'est des concours de circonstances parce que rien n'est forcément voulu, c'est des rencontres avec des gens. Voilà, on a entamé des discussions avec Audiopôle, et puis Audiopôle avait une génération aussi qui souhaite prendre sa retraite ou prendre des distances. Et puis le groupe est devenu actionnaire majoritaire d'Audiopôle.
et donc vient renforcer, on va dire, son offre, notamment, et se conforter dans une cellule qui n'a rien à voir avec la nôtre, qui est le broadcast, la radio, ce genre de choses. Après, on a évidemment des pans de métier communs. Et puis, c'est rajouté parce que notre métier rencontre certainement quelques difficultés aujourd'hui sur le plan de la dynamique, notamment dans le marché de la musique. On a rencontré les gens d'Arbiter et effectivement, Arbiter est venu et on l'a racheté à 100%. Voilà, donc le parcours a été fait et aujourd'hui, symbole des 60 ans, je suis actionnaire aujourd'hui du groupe à hauteur d'un tiers avec Thierry Despâtures qui lui vit à Singapour et je m'occupe du développement. Et en plus, maintenant, je ne suis plus jugé parti puisque j'ai pris de la hauteur en étant actionnaire global. Alors si on parle du pôle illumination, c'est un peu plus de 170 personnes aujourd'hui, massivement en France avec une centaine de personnes. Évidemment, notre usine en Roumanie compte à elle seule 45 personnes et ensuite le reste est réparti dans notre filiale en Angleterre, au Canada et au Mexique. Derrière ça, l'audiovisuel fait la différence, à peu près 80 personnes et au global, le groupe représente un peu plus de 270 salariés, dont 70% sont français, 20% européens et 10% à l'international. Donc à l'occasion des 60 ans, en fait, l'idée c'était d'utiliser les 60 ans de Leblanc, parce que c'est une date importante quand même de faire 60 ans d'une entreprise, mais que ça soit une excuse aussi pour présenter à l'ensemble des clients de Leblanc l'offre globale et les sociétés qui constituent le groupe. Car paradoxalement aujourd'hui, Leblanc fait 44% du chiffre d'affaires. Donc on est peut-être on est à mi-chemin entre l'audiovisuel et l'illumination. Et donc l'idée, c'est qu'il y a une holding aujourd'hui que je pilote et dont je suis l'actionnaire, mais le nom est un nom, c'est Dia Développement. Voilà, on a recherché, on n'a pas trouvé de coïncidence intéressante. Il n'y avait pas de logique. Et moi, j'aime bien que les choses aient une logique, que l'histoire soit simple à raconter. Donc à partir de là, comme nous avions abandonné le nom Commerce Spectacle Industrie au profit de Freevox, tout simplement suite à la fusion de CSI et d'SCV, on s'est dit, on a Commerce Spectacle Industrie, on a un nom de domaine CSI France qui existe, est-ce qu'on peut pas? Quand même, on a des filiales à l'étranger, on est présent au Mexique, au Canada, en Angleterre, en Roumanie. On a 40 distributeurs au total à travers le monde pour Leblanc. Donc on s'est dit qu'il fallait angliciser. Donc en fait, on est resté autour de Commerce Spectacle Industrie, qu'on a transformé en Creative Show Industrie. Nous sommes dans une industrie, celui du show, tout simplement, de l'événementiel. Et nous sommes créatifs parce que d'un côté, on a un pan industriel où on fabrique, on design nos produits de A à Z. Et vous avez été visiter l'entreprise, nous sommes des vrais fabricants. Et de l'autre côté, quand on distribue des produits, ce n'est pas de la distribution simple. Beaucoup de produits que l'on vend, je dirais les deux tiers, c'est avec de la valeur ajoutée. Donc le nom Creative Show Industrie va être dévoilé ce soir avec un logo qui va représenter un homme, notamment, dans une spirale et qui va de l'avant parce que les entreprises sans les hommes ne seraient pas grand-chose. Et aujourd'hui, chez Leblanc, quand on voit ce qu'on est capable de faire encore au bout de 60 ans et d'avoir été capable d'avoir une mutation informatique, technologique, puisque le projet, quand je suis arrivé, je l'ai nommé Leblanc 4.0. Évidemment, le .0 pour le côté informatique, mais le 4.0, c'est le collaboratif et l'informatique liés ensemble. Donc, c'est un peu l'idée et donc de nous amener dans une dynamique. Et ce soir, à l'occasion des 60 ans, nous allons dévoiler le nouveau logo de l'enseigne du groupe. En fait, la réflexion à la base avec Leblanc Illumination, c'est que nous sommes assis sur un secteur d'activité qui est porté uniquement sur le 24 décembre, les fêtes de Noël. Donc déjà, c'est hyper saisonnier. Et pour vous rendre compte de la situation, nous réalisons 80% de nos facturations entre le 5 septembre et le 5 décembre. Donc une entreprise seule dans ce domaine d'activité, qui est une niche, a une grande difficulté d'exploitation. Donc derrière, il y a juste un axe qui est obligatoire, c'est le développement à l'international. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de se développer. Derrière, l'intérêt avec CSI qui a été trouvé, c'était évidemment l'illumination et la lumière dynamique. Aujourd'hui, un des plus gros clients de produits d'éclairage dynamique, que ce soit Griven ou Starway de Freevox, est Leblanc. Parce qu'aujourd'hui, on rajoute ce genre de choses. Maintenant, on y a rajouté le son. Donc dans notre métier en France, on va dire, on est plutôt à l'aise. Comme tu le faisais remarquer, il y a des concentrations. Le web fait des dégâts. On a de moins en moins de points de vente. De l'autre côté, les prestataires entre eux, on va dire, préfèrent plutôt s'acheter entre eux que d'acheter du matériel. C'est une réalité. Mais c'est la mondialisation qui veut ça. Et ben nous, aujourd'hui, on est presque à 50-50 sur ces deux métiers aujourd'hui. Donc je dirais, on est partie prenante et intégrante de l'audiovisuel en France, de la lumière, très bien. Mais si demain, il y avait quelques difficultés, on est aussi dans d'autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, c'est aussi de créer des passerelles. Aujourd'hui, Starway, c'est un succès incroyable en France. Depuis maintenant quelques années, les produits ont progressé. On a des produits qui sont uniques, qui ont des solutions technologiques uniques, sur lesquelles on n'a absolument plus rien à envier à nos concurrents américains ou danois, d'ailleurs, peu importe, ou même tchèques dans certains cas.
Donc aujourd'hui, on ne peut pas rester franco-français. Donc on est obligé. Et donc d'un côté, nous allons, avec l'expérience de l'export de Leblanc, travailler sur le développement de Starway et évidemment aussi travailler que nos filiales, je pense au Canada, et les choses sont très claires aujourd'hui, le Canada va être la base arrière de l'ensemble du groupe pour toutes les Amériques, du sud, du centre. On a aussi une usine au Mexique. Donc on a ces solutions, on veut les exploiter. Donc aujourd'hui, les croissances externes, il y en a eu, c'est des rencontres avec des gens. Si demain il y a des rencontres avec des gens, que c'est acceptable, qu'on en a les moyens et qu'il y a une logique dans l'événementiel, dans ce nom Creative Show Industry, voilà. Mais demain, on n'ira pas, on va dire, sauf pour le plaisir, racheter une équipe de sport de Formule 1. Ça n'a pas de sens. Aux 60 ans de Leblanc, qui va se terminer par quelque chose de formidable, puisque nous avons en intimité Julien Clerc. Et pour moi, il est représentant de la variété française. Et donc, je trouve qu'avec Leblanc, qui est un fabricant français, ça a beaucoup de sens. On va les emmener plus loin avec notre ami Joachim Garraud, qui lui a su s'exporter à l'international et travailler pour les plus grands artistes. Donc c'est la French Touch et c'est pour ça que Joachim a voulu vraiment participer à cet événement et c'est une bonne combinaison. Donc j'ai envie de souhaiter aux gens de Leblanc 60 ans encore de développement et d'avenir, parce que c'est vrai que déjà avoir passé 60 ans, peu d'entreprises le font. Bah, j'espère simplement que d'autres après moi, puisque 60 ans futurs, je pense que j'aurai du mal, mais bien évidemment que cette entreprise puisse perdurer au-delà de simplement les 60 ans qu'elle a déjà vécu.